là on vient de prendre un empanada. Empanada. Ouais, au bœuf. C'est une spécialité d'ici. C'est de la pâte avec du bœuf à l'intérieur. On vérifie ça. C'est une purée. C'est trop bon. Mmh. Bon appétit. Ah mais c'est trop bon. Hein. Aujourd'hui, on est dans le marché Saint-Elmo. Un petit marché qui est là tous les dimanches et qui est très serré parce qu'il existe depuis très 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 longtemps. Alors, il y a un truc qui est super bien ici, c'est que les passages piétons, parce que moi j'adore les passages piétons. Il y a le petit Gugus qui fait comme ça, c'est quand on peut y aller. Le petit Gugus qui est comme ça en rouge, c'est on peut pas. Et il y a un petit décompte, 14 secondes, pour dire là c'est les dernières 14 secondes vous pouvez passer. Parce qu'ici il roule super vite. Merci Sego. Vite, vite, vite Sego. Hey. Bon là on a changé de marché. Nous sommes au marché Mataderos. La feria de Mataderos. C'est un marché très traditionnel. Il y a beaucoup de petits spectacles de danse folklorique. De musiciens. Sympa, un tété. Oui, c'est beaucoup plus traditionnel que les autres marchés qu'on a fait. Regardez, je laisse Sego 2 minutes et elle est en train de picoler. Ouais, ça c'est... Je teste les serviettes. Santé tété. Santé. Vous êtes bien servi en plus, hein. Ouais. Victor. Ça a l'air bon, tété. Hmm? Tu manges quoi? Mais c'est bon. C'est de la viande, du poivron et des oignons. Et du caca. On est dans un quartier super connu à Buenos Aires, un quartier vachement typique. La Boca, où il y a toutes les maisons très colorées. Ouais, voilà, donc c'est un quartier qui est plein de couleurs, plein de vie, plein de joie. C'est la ville arc-en-ciel. Ouais. Événement, c'est soirée disco.